Salut tout le monde, salut tout le monde. Donc on va faire une petite dégustation de pizza. Et cette fois-ci, c'est des pizzas au comment ça s'appelle? À la viande de kebab. Là, vous pouvez voir la viande de kebab, viande assez fine. Je la trouve trop tendre même. Et je vous dirai mon avis aussi. Je trouve que c'est une viande trop tendre. Je préfère les shawarma, tu sens bien les fibres de la viande. Pizza au kebab, original. C'est pas mal, mais c'est ouf. C'est pas ouf, je veux dire. Je veux dire, c'est pas ouf du tout. Franchement, entre nous, je préfère encore une pizza normale. Si je dois choisir une pizza au kebab et pizza au merguez, je préfère une pizza au merguez. Mais ça passe très bien, c'est pas mauvais. Non, franchement, je préfère encore une pizza au thon, une pizza. Là, on n'a plus trop l'impression que c'est le goût d'une pizza. Ça change les épices. C'est une viande très épicée. C'est une viande très, très épicée. Pas épicée piquant, mais il y a plein de... J'aime bien, mais je pense que j'en reprendrai pas. Voilà, la prochaine fois, je prendrai peut-être au saumon, au fruits de mer. J'ai bien aimé celle aux fruits de mer. Faudrait que j'en reprenne une pour tourner la vidéo. Aux fruits de mer, c'était pas mal. Pas mal du tout. Faudrait que... En plus, la viande, elle est fine. On dirait qu'il y a beaucoup de viande, mais je me suis demandé si c'était pas de la viande recomposée, mais non. On voit qu'il y a des morceaux de gras, on voit des fibres. Après, ça manque pas de protéines. Voilà, des protéines complètes animales. Voilà, il y a le fromage et la viande de kebab. Plus les quelques protéines de la pâte, mais la pâte, voilà, c'est des protéines incomplètes. Faudrait manger des amandes en plus pour compléter. Pour ça, le fromage, c'est assez protéiné quand même. Alors, je vais faire une petite vidéo courte, voilà, pour dire mon avis. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. À mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé.